Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon univers. Moi c'est Lydie et aujourd'hui on va parler robots. Et en l'occurrence, vous le savez, je vous avais fait une petite revue, donc je te le mets dans le petit, juste en haut de l'écran, puisque le 1er octobre, donc Lidl a sorti un nouveau robot et ils nous ont sorti donc le robot multicuiseur, multifonction, qui était au prix de 64,99€, défiant toute concurrence. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu se le procurer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des intermédiaires de ce robot qu'on peut retrouver sur d'autres sites. Donc, si tu ne l'as pas eu, si tu voulais l'offrir pour Noël, reste bien connecté et je te dis à tout de suite. Oui, Lidl sont très très forts, ils nous ont sorti le Monsieur Cuisine l'année dernière, défiant toute concurrence et dupe du robot Thermomix, et là ils nous ont sorti donc un robot à petit prix, multicuiseur, et vous savez que ce robot, tu l'auras toujours dans le petit juste en haut si jamais tu vois cette vidéo, je l'ai comparé au Cookeo de chez Moulinex. Il était à petit prix puisqu'il était au prix de 64,99€. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo qu'il fallait s'y atteler bien à l'avance dans tous les Lidl, voire bien une heure à l'avance parce que il allait partir comme du petit pain. Et voilà, donc beaucoup de personnes n'ont pas pu se le procurer. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vais donc vous montrer des intermédiaires de ce robot, voilà. En sachant que je remercie toutes les personnes qui ont visionné et qui visionnent encore mes vidéos revues robots. Je sais que ça vous plaît énormément. C'est pour ça que j'ai fait des recherches et que je vais vous montrer les intermédiaires des robots que j'ai retrouvés. Et surtout aussi faire des petits points sur certaines petites questions que j'ai eues et des retours sur l'information que je vous avais publiée il y a 3 ou 4 jours lorsque je vous annonçais la sortie de ce robot. Voilà, donc merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui ont visionné. Si tu es tombé sur cette vidéo parce que tu voulais te le procurer, que tu ne l'as pas trouvé, que tu voulais l'offrir pour Noël, eh bien, je vais te montrer d'autres robots qui lui ressemblent. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo, de liker, de vous abonner parce que c'est gratuit et d'activer la petite cloche. Les robots que je vais vous montrer sont vraiment très ressemblants. Pour certains, ont des écrans plus petits, n'ont pas le même design, mais ils sont pratiquement et font pratiquement la même fonction. Il faut savoir que celui de chez Lidl a un petit défaut. Oui, j'ai eu des retours sur ma vidéo. Déjà, premièrement, tous les robots que je vais vous montrer au niveau accessoires et le point positif que a le robot de chez Lidl, malheureusement qu'on ne peut pas retrouver, qui peut-être ressortira pour les fêtes de Noël, donc surveillez bien vos Lidl. Si je suis au courant, bien sûr que je vous donnerai l'information. Donc c'est vrai que la chose positive sur ce robot, c'est que c'est le seul robot où il y a pas mal d'accessoires. Il y avait un panier vapeur, il y avait un panier plat pour pouvoir poser les yaourts dessus, il y avait 2 cuillères à soupage, il y avait un mesureur gradueur. Donc ce qu'on ne retrouve pas dans les autres robots que je vais vous montrer, et il y avait donc une cuve, avec poignée. Par contre, petit défaut, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire parce qu'elle a fait un retour du produit dans son Lidl, tout simplement parce qu'il n'y a aucune sécurité au niveau de du couvercle soupape, c'est-à-dire que quand vous allez faire cuire en pression vos aliments, eh bien vous pouvez ouvrir à tout moment la soupape. Donc il n'y a aucune sécurité, ce qui peut être vraiment contradictoire pour certaines personnes, et que ben, peut-être certains robots vont revenir chez Lidl parce que ben, niveau sécurité, c'est vrai que ça va poser un petit problème. Le premier que j'ai pu retrouver, c'est un robot qu'on peut retrouver chez eBay. Tout simplement, livraison gratuite, dès que vous retournez le robot, du moins, dès que vous recevez le robot, vous avez 30 jours pour le retourner et vous avez un service client avec 9 langues. Donc, c'est le Royal Kaifering. Donc, ce robot, vous le retrouvez en
trois volumes, c'est-à-dire que moi je vais vous montrer le petit volume qui est à 65 €, celui-ci. Donc c'est le volume entre 4 et 5 litres, mais vous le retrouvez de 6 à 8 litres. Et selon le litre que vous prenez au niveau du volume de la cuve, ben bien sûr ça augmente en tarif. Donc celui-ci, le tout petit, est à 65 €. Donc comme vous pouvez voir, il est plutôt sympathique. On a approximativement le même design, mais celui-ci par contre a une sécurité au niveau du couvercle soupape. Donc il fait 11 programmes, celui de chez Lidl en faisait 12. Retenez bien ça, il y en a 12. La pression maximale, ça je n'ai pas retenu celui qu'obtient celui de chez Lidl. Par contre, il a une puissance de 1000 watts, mais là c'est entre 800 et 1250 watts. Bien sûr que si vous prenez la plus petite cuve, les puissances seront moins puissantes que si vous prenez le gros. Un boîtier élégant en inox. Voilà, donc là, tous les robots que je vais vous montrer n'ont qu'une cuve sans poignée et n'ont qu'une cuillère mesureur et un gradueur. Non, en aucun cas un panier à vapeur et d'autres petits accessoires qu'à Lidl. Par contre, sachez que vous pouvez toujours rajouter un panier en inox pour cuire à la vapeur que vous retrouvez sur eBay ou sur n'importe quel autre site. Voilà, donc le robot, celui-ci, fait un peu plus de choses parce que on peut faire cuire des pizzas, s'il me semble bien, et on peut faire du muesli aux céréales. Donc, il se nettoie facilement et donc il a un écran digital. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous donne les watts, ce que je vous ai donné. Donc, s'il y a une coupure de courant, il reste en mémoire et il va se reconnecter là où vous vous êtes arrêté si vous étiez en train de cuire quelque chose. Au niveau sécurité, il me semble que c'est celui-ci ou protection contre la suppression qui prend la forme de soupape à vapeur s'ouvre automatiquement lorsque la pression interne est trop importante. Donc, il y a une sécurité, il me semble, au niveau de la soupape. Voilà, ce qu'on n'ont pas les autres robots, il me semble, du moins celui de chez Lidl. Et au niveau des accessoires, on n'a qu'une cuillère et une tasse à graduer. Et donc, ici, il me semble que c'est ici où on nous dit ce qu'on peut faire. Je m'en souviens plus. C'est où que j'ai vu. Donc, écran numérique. Un peu comme les autres robots, donc c'est pas ici. Voilà, on peut faire cuire des œufs, des pommes de terre, de la viande, du riz, de la soupe, des légumes, des pizzas, des gâteaux, des yaourts et des flocons d'avoine en toute simplicité. Voilà, donc celui-ci est au prix de 65 € pour le plus petit et selon le volume de la cuve, bien sûr, vous augmenterez en tarif. Le deuxième, c'est celui qu'on retrouve chez Amazon et qui est en réduction en ce moment, au lieu de 82,99 €, est au prix de 79,99 €, une livraison gratuite rapide si vous avez Amazon Prime. Voilà, donc c'est le Agostar MI301AU, donc il a 15 fonctions, un peu plus que celui de chez Lidl. Il a un écran LCD, il fait 6 litres, donc 6 litres. Capacité 5,5, voilà. Trois niveaux de pression, ça c'est cool, parce que celui de chez Lidl, il y avait deux niveaux de pression. Là, on en a trois. Ensuite, on a un récipient antidérapant et tous les robots sont en plastique, en acier inoxydable et en aluminium. Voilà. Donc, celui-ci, au niveau... Je crois qu'on peut le voir en plus grand. Voilà, il est comme ceci. Voilà. Voilà comment il se compose au niveau du robot. Donc, on va aller vite. Donc, autocuiseur multifonction SATA 1. Donc, 7 modes de cuisson. Cuisson pression, cuisson lente, cuisson du riz, cuisson vapeur, sauté, bouillon et chauffe. Voilà, 15 programmes intelligents. Donc, il est doté d'un écran LED. Cuisiner des viandes, de la volaille, des légumes, des soupes, du riz, du curry, des ragoûts, du chili et bien d'autres. Contrôle de temps à travers d'un micro-ondes. Donc, il maintient au chaud ainsi que celui de chez eBay. Par contre, il n'y a pas l'option bouton pour le maintenir à chaud puisque celui-ci maintient au chaud pendant 24 heures. Celui-ci, il maintient au chaud pendant 2 heures. Donc, c'est-à-dire que lui, il a une option un peu comme le Cookeo ou vous le maintenez au chaud entre, voilà, 2 heures, tout simplement. 2 heures. Il a aussi
un moyen de programmer manuellement. Voilà, tout simplement. On a trois niveaux de pression. Donc les pressions, c'est pour cuisiner en basse tension, en moyenne ou en haute pression, tout simplement. Voilà. Et au niveau sécurité, il y a 9 systèmes de protection garantissant la sécurité de l'utilisateur pendant la cuisson. C'est-à-dire, il doit y avoir la sécurité où, lorsque vous venez cuire en pression, lorsque vous fermez le couvercle, la soupape, vous ne pourrez pas le retirer ni l'ouvrir tant que l'appareil sera sous pression. Voilà. Et Lidl, apparemment, le couvercle s'ouvre. Ça, c'est un retour client. Donc, celui-ci est au prix de 79,99€. Livraison gratuite et on est sur Amazon. Ensuite, on a celui de chez MC Boutique. Merci à la personne qui m'a dit que il lui faisait penser à celui de M6. Donc, c'est le Power Quick Pot autocuiseur sous pression. Il est au prix de 59,99€. Il est en réduction en ce moment. Voilà. Au lieu de 99,99€, donc moins cher que celui de chez Lidl. Donc on peut payer en 2 fois sans frais. Donc ça fait 30,42€. Et livraison 1€ si vous avez la carte club. Donc après, je ne sais pas. Oui, frais de port à partir de 4,99€. Au niveau du robot, voilà comment il est. Voilà. Bon, je trouve qu'il est un peu moins joli que les autres. Mais voilà, cuisson lente, gâteau, mise en conserve, yaourt, départ différé. Donc, il a un départ différé, c'est-à-dire qu'on peut faire partir sa cuisson de quelque chose 1 heure après. Il maintient au chaud. Donc, vous voyez, là, il y a le petit bouton de maintien au chaud que certains ont et que d'autres se font automatiquement et qui vont garder la nourriture pendant 24 heures. On peut choisir la température, on a une minuterie, on a saisir, vapeur, sous vide et cuisson sous pression. Donc ça, il est plutôt pas mal. Et pour le prix, ben j'ai envie de vous dire, cool. 8 modes de cuisson beaucoup plus rapide. Donc c'est un contenant de 5,5 litres. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut cuisiner facilement en 30 minutes. Je vous ai tout dit, hein, de toute façon. Il maintient au chaud. Est-ce qu'il y a une sécurité ou pas? Est-ce qu'on peut voir s'il y a une sécurité ou pas? Caractéristiques techniques. Alors, je n'ai pas trouvé niveau sécurité, la soupape restait bloquée. Si vous le voyez, n'hésitez pas à le regarder. Si jamais vous recherchez, un peu comme le coquéo, une fois que vous avez fini à cuire sous pression, il y a une sécurité. Il faut attendre un petit peu avant d'ouvrir le couvercle. Voilà, donc si vraiment c'est rédhibitoire pour vous, il faudra regarder bien cette fonction-là, puisque certains ont ramené leur robot parce qu'on pouvait ouvrir la sécurité au niveau du couvercle. Par contre, celui-ci fait 1200 watts. On peut cuire entre 35 et 182 degrés. Apparemment, il y a des couleurs. Bleu, le programme n'est pas lancé. Orange, l'appareil est en préchauffe. Et rouge, la température cible ou la pression est éteinte. Voilà, donc je pense que lorsque le voyant est rouge, vous pouvez pas rouvrir le robot. Je le trouve très bien pour le coup sur tous les autres robots que je vous ai montrés et surtout le prix est très compétitif. Donc je sais pas du tout si le prix restera lorsque j'éditerai cette vidéo, mais en tout cas celui-ci est très bien. Et le dernier robot que j'ai pu retrouver, donc c'est celui de chez la Fnac, qui n'a pas de nom, voilà, il est comme ceci, et qui est au prix de 69,95€, donc c'est un multicuiseur sous pression à 11 programmes, 6 litres, donc qui doit avoir une cuve comportant, comme tous, 5,5 litres, 1000 watts, donc si vous avez la Fnac pas loin, 69,95€, si vous pouvez vous le faire livrer, donc en suivi et en recommandé, c'est 6,95€, ou en point relais, 4,99€. Bien sûr, dans cette revue, je vous montre des robots à petit prix, mais sur la Fnac, sur Amazon, sur eBay,
sur M6, vous en retrouverez peut-être d'autres, puisque ça, ce n'est que des multicuiseurs un petit peu dupes, mais on retrouve d'autres beaucoup plus performants, avec des marques beaucoup plus professionnelles, selon votre budget. Donc on en retrouve à 71,48, 69,99, 126,10, et puis après, voilà, si vous voulez partir sur un robot vraiment qui est bien, pour avoir le Cookeo de chez Moulinex, voilà, franchement, il est à 150€. Je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment une vidéo intermédiaire par rapport au robot que proposait Lidl, qui pour l'instant, ben, on ne le retrouve plus parce qu'il est parti comme du petit pain, mais qui peut-être, je le rappelle, reviendra peut-être pour les fêtes de fin d'année. Celui-ci, donc, au niveau design, je trouve qu'il est plutôt sympatoche parce que il a vraiment un écran tactile, voyez, qui est très très sympathique, voilà, en plus avec une lumière bleue comme ça, donc j'aime beaucoup le design. Par contre, j'ai pu regarder, je vais voir si je retrouve, mais je vois pas qu'il y ait une sécurité au niveau du couvercle soupape. Pareil, il fait les mêmes fonctions, à part que celui-ci, je crois que il ne fait que des cuissons lentes. Au niveau de la température des degrés, on est sur du 92 à 155 degrés. Il y a un réglage libre de 1 minute à 24 heures. Il maintient au chaud. Il cuit sous pression de 40 à 60 kPa. Voilà, bac amovible, nettoyage facile, puissance 1000 watts, une alimentation de 230 volts. Là, on a même les dimensions si ça vous intéresse. 34 x 34 x 35 cm et donc 22 sur 16 cm de hauteur et le poids 5 kg. Par contre, on ne parle pas au niveau protection, il y a une protection contre la surchauffe et la suppression, valve de compensation de la suppression. Ils ont tous une valve, donc voilà, donc après vous avez toujours le récipient à l'arrière pour la condensation, c'est-à-dire il faudra vider un espèce de petit récipient derrière pour vider l'eau. Et celui-ci, je ne sais pas s'il y a un livre de cuisine, par contre je crois que c'est sur M6 boutique. Où il y a un livre de recettes. Après sur les autres, je pense pas qu'il y en ait. Et donc sur celui-ci non plus. Voilà. Alors, on va voir dans la description si on ne marque pas autre chose. Non. On va voir l'avis client parce que là il y a l'avis client parce que là c'est terminé. Est-ce qu'il y a des avis clients? Non, 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 il n'y a pas d'avis client. Donc voilà, donc le robot que j'ai trouvé, il a une fonction ou pas, maintien au chaud, on va voir en faisant le zoom ici. On va voir vite fait qu'est-ce qu'il nous propose. Donc c'est pas écrit en français, ça c'est pas cool. Bon, j'ai vu qu'il avait le maintien au chaud. Voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Vous aurez le lien du robot de chez eBay, le lien de Amazon, le lien de M6 et le lien de ce robot de la Fnac. Sachez aussi que si vous êtes en Belgique, bien sûr, vous pourrez vous procurer donc le robot, donc multicuiseur ou le Monsieur Cuisine qui est disponible, donc le Monsieur Cuisine Connect sur Lidl Shop uniquement si vous êtes en Belgique, puisque en Belgique les livraisons sont livrables avec un tarif de 3,95€. On va y arriver. Par contre, voilà, si vous habitez en France, vous ne pourrez pas bénéficier de la livraison. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ce style de vidéo vous aura plu. Je me répète, tous les liens seront en barre d'infos. Si jamais un de ces robots vous intéresse, vous irez plus amplement regarder la description du produit. Si certaines choses pour vous sont rédhibitoires, bien sûr, ben, vous en trouverez d'autres selon votre choix et selon ben, le prix que vous souhaitez y mettre. Si vous souhaitez mettre beaucoup plus d'argent, vous avez le Cookeo de chez Moulinex, soit simple, soit connecté, soit avec balance
et clé USB. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, à un prochain sujet. N'hésitez pas à donner vos retours. Et puis, on se retrouvera très prochainement pour la présentation de mes robots qui arrivera d'ici les fêtes. Et puis, on se retrouvera avec tes recettes de fin d'année avec les robots, donc le Coqueo de chez Moulinex et le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.